Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous saluons très fort dans le sein, nous sentons vraiment contents pour que nous soyons capables, ensemble avec nous dans le sein, pour que nous partagions un peu de la parole de Dieu. Parce que nous avons un moment côté que vraiment gagnons en pile panique dans le monde, là, mais ça va empêcher que nous continuer à parler avec un peuple bon Dieu à nous, ensemble avec un serviteur, frère Georges Jean-Emmanuel, dans un moment béni. Et nous croyons que nous allons passer quelques minutes ensemble dans la gloire de Dieu. Et il y a un point que nous voulons partager ensemble avec nous dans le ça, c'est inquiétude. Parce que nous réalisons vraiment il y a quelques temps que nous le monde là ils vraiment inquiet et passé des moments difficiles. Un peu le monde a posé tête aux questions, est-ce que vraiment il y a une porte de sortie vu avec un maladie ça qui a ravagé le monde en pandémie ça qui c'est coronavirus ou bien covid-19. Eh bien, on voit qui ça que bon Dieu lui-même qui provision que lui fait pour peuple lui, parce que il était gantan annoncé non ça d'avance, et notre Dieu lui gantan était gantan fait provision pour nous en tant que peuple lui pour des moments difficiles qui va gagner pour venir. Eh bien, par définition qui ça inquiétude là, et si n'a parlé de inquiétude, il était très sage pour que nous t'a défini inquiétude pour vous. C'est état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Et c'est comme ça que vraiment inquiétude là l'y définit. En nous regardant ensemble, mes bien-aimés, qui ça la Bible lui-même, qui provision que la Bible fait pour nous vu avec inquiétude que monde là ou bien que nous-mêmes nous ta gagné dans moment ça. Et n'a dit non tout en passant, en tant que peuple bon Dieu, nous pas gagné pour nous inquiéter nous de rien, parce que bon Dieu nous en li en chargé de toute bagaille. Bon Dieu nous en li gagné contrôle toute bagaille. Nous a regardé ensemble avec moi dans Philippiens chapitre 4 le verset 6 qui dit: ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. La Bible fait nous connaître que pour ne pas inquiéter nous pour rien, mais dans toutes circonstances, par de la prière avec des supplications pour que nous soyons capables de faire demande nous avec bon Dieu. Parce que bon Dieu nous est là pour l'étendre nous. Il est là pour lui secourir nous. Et il fait nous promesse que lui a toujours avec nous, quel que soit dans lieu bien côté que nous t'a trouvé nous. Et dans le psaume chapitre 23 verset 4, psalmiste l'a parlé pour dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le pourquoi? Parce que notre Dieu, les puissants, et David Salmislan réalisait que bon Dieu a marché avec lui. Puisque bon Dieu a marché avec lui, même lorsque tu as marché dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, il dit que lui n'est pas capable de faire rien parce que bon Dieu est avec lui. Et bon Dieu qui est avec lui, c'est un bon Dieu qui n'a jamais perdu bataille. Bon Dieu qui est avec lui, c'est un bon Dieu à main forte et à bras étendu. Ça fait nous venir pour nous dire: bon Dieu a servi, il a puissance. Il a pouvoir pour que lui retire dans ça qui est, dans le doute qui est. Dans le moment difficile que vous avez traversé, et bien, bon Dieu lui-même, il a une capacité pour que lui capable vraiment retirer côté où il est. C'est vrai, nouvelle yo de jour en jour yo pralé de mal en pire. Chaque jour ap tande yon qualité de nouvelle
ou demander qui côté ça va aller, mais n'a dit ou gagne un bon Dieu qui gagne contrôle tout bagaille. Oui, bon Dieu gagne contrôle tout bagaille, frère. C'est pas le moment pour que vous baissez la tête. Mais même Jérôme dit, au lieu de baisser la tête, mais comptez les bienfaits de Dieu. Bon moment que nous arrivons, mes bien-aimés, il n'y a pas un moment pour nous faiblir encore. Bon dimension que nous arrivons, pas dimension pour que nous quittions n'importe bagaille et nous troubler. Parce que Christ l'était déjà avisé nous ça. Nous c'est un peuple qui avisé et la Bible en fait nous connaît que il y aura des temps difficiles. Tout ça que nous attendons, il faut que yo arrive. Mais l'église là, nous gagnons seul bagaille que nous faire. Lorsque tout ça yo arrive, nous besoin rester sobre. Nous besoin cultiver ça que relé la sobriété pour que nous vaquer dans la prière. C'est pas un moment pour nous faire tête chaude. C'est pas un moment pour que nous paniquions. Mais c'est un moment pour que nous restions dans la sobriété pour que nous cherchions mon Dieu. Mais bien aimé, gens que nous t'ai déjà dit au lien, message dans les papes long, c'est juste un court message que nous sentons vraiment, il était important, il était normal pour que nous t'ai capable de partager ensemble avec vous. Nous avons un autre moment encore. Nous va partager plus avec vous et nous va venir avec des thèmes encore qui a utile en tant que chrétien et qui a utile en tant que monde qui beaucoup converti pour que vous capable ou nécessité pour que vous remettre Christ la vie. N'a dit rester ferme dans bon Dieu, pas troubler, garder la foi parce que Jésus-Christ lui-même est déjà bon nous victoire sur le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.